Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo qui va être assez courte. Ceci est complètement faux. Parce que je vais aller peser mes geckos, donc tous mes geckos que je garde dans ces terrariums-là et puis dans l'autre batterie qui est par là-bas. En tout, j'ai 9 geckos. Alors pourquoi je vais les peser aujourd'hui? Parce qu'on arrive en période d'hivernation. D'ailleurs, si vous savez pas ce que c'est que l'hivernation, je l'explique dans ma précédente vidéo. Et donc, pour savoir si cette hivernation s'est bien passée, je fais une pesée avant et après l'hivernation. On est en novembre, au mois de novembre. Et j'en referai une autre vers le mois de janvier à peu près. Voilà, donc assez de blabla, vous avez assez vu ma tête, maintenant passons à la peser. Donc moi j'utilise une balance tout simplement de cuisine, comme celle-là, voilà tout simplement, hop. On va commencer par Isera qui est ici dans ce terrarium, j'ai pas encore fait d'étiquette pour elle. Voilà, donc normalement elle est au point chaud par là. Elle doit être là-dedans, donc je vais essayer de l'attraper. Ça, c'est l'inconvénient des gros décors, c'est que du coup, il faut les sortir à chaque fois. Oui, elle est là, regardez. Donc on va essayer de l'attraper. Voilà. Regardez ça comme elle est belle. Hop, on va allumer la balance. Mais où tu vas? Où tu vas? Où tu vas? T'en vas pas trop loin, reste par là. Voilà, donc Isera, c'est ma petite bandit qui ne reproduira pas cette année et elle fait 44 grammes, ce qui est un très bon poids pour son âge. Donc ça, c'est la petite fille que je garde de Cali, qui est juste magnifique, hein, comme sa mère. Je la trouve sublime. Voilà la grande, on va pas plus l'embêter. Alors il faut savoir qu'elle a un sacré caractère, parce qu'elle m'a déjà mordu. Et j'ai jamais été mordue par un gecko avant, et puis j'ai essayé de l'attraper une fois, elle n'était pas du tout d'accord avec moi. Et du coup, elle m'a donné un petit coup de dent. Donc comme vous avez pu le voir, pour l'instant, elle est sur Sopalin, parce que j'ai pas encore eu le temps, ni le sou, d'acheter de l'excavator, mais ça va venir. Donc voilà, pour l'instant, pas de risque, on la met sur Sopalin. Je suis désolée, aujourd'hui j'ai un peu le nez bouché, donc si j'ai une voix chelou, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, on va passer à la grosse chino. Donc grosse, vous allez voir pourquoi. Hein. Donc rappelez-vous du poids de Isera, c'était 44 grammes. On va voir celui de Shinome. La dernière fois, elle était à 106. Donc on va voir. Là, elle commence à un peu moins manger parce qu'on arrive à l'hiver. Hop, elle est là-bas. Vous la voyez? Regardez-moi cette grosse patate. Donc je vais essayer de l'attraper. Hop là. Voilà la grosse. Alors regardez-moi cette queue, regardez-moi cette queue, elle est énorme, regardez-la, regardez comme elle est énorme, regardez cette queue, voilà, là ça c'est un vrai giant, on va voir quel chiffre ça donne, 111 grammes 111 grammes, c'est pas rien quand même. Hein. Donc voilà, là ça prouve bien que c'est une giante, hein. ça c'est sûr et certain. Donc il faut savoir que les giants aussi, c'est à la base c'est génétique. Donc si les parents ne sont pas giants et que votre gecko fait 110 grammes, il peut pas être giant en fait. Il peut pas être défini comme giant. Vous voyez derrière ses aisselles, hop, vous voyez la petite boule là. Ça c'est une réserve de vitamines et de graisse. Donc ça je crois que j'en ai déjà parlé, mais là on les voit bien. Voilà, on la laisse repartir tranquillou et on va remettre sa cachette. Donc ces cachettes, c'est moi qui les ai faites à la main. D'ailleurs, il y a un petit tuto pour, sur la chaîne YouTube pour vous montrer comment faire. Et vous voyez, j'ai creusé en fait à l'intérieur pour que ça puisse servir de cachette et pas seulement de décor de fond en fait. Hop, elle s'y remet tout de suite, ça c'est son coin là-bas. Ça, elle aime bien être là-bas. Ensuite, c'est au tour de Koi qui doit être dans son terrarium. Évidemment, à mon avis, elle est soit dans cette cachette, soit dans sa boîte à mules juste ici. Donc on va voir. Elle est juste ici. Voilà la belle. Voilà la jolie Koi. Et c'est 66 grammes, ce qui est très bien pour sa corpulence. Je sais pas si vous voyez la différence avec Shinome, mais c'est clairement pas le même gabarit. Donc c'est un gabarit normal, hein. Et j'adore ses yeux.
imprécis. Voilà. Hop. Allez, c'est bon pour elle. On va pouvoir la remettre dans son terrain tranquillement. Alors, à la suivante, qui est Ink, que voici. Alors, normalement, elle est par là. Elle doit être dans cette cachette ici. Eh bien non, visiblement, elle n'est pas là. Donc, j'ai rien dit. Oh purée, il y a une blatte. Oh non, regardez, une survivante. Regardez, c'est une dubia. Oh non, elle a dû l'échapper. Oh, il faut que je l'attrape. Je l'attrape, je la laisse pas dans le terrain comme ça. Hop là, yes, je l'ai eu. La voilà. Alors je vais essayer de l'attraper de face en espérant qu'elle ne me morde pas. Regardez, elle est juste là. Voilà la belle. Allez, c'est parti. Donc elle est toute petite. C'est une super maxno. Donc elle va sûrement peser moins que les autres. Et elle n'est pas contente. Elle vient de grogner. Allez, Fifi, hop, 53 grammes, voilà, elle est bien, elle a aussi des petites boules de vitamines sous les aisselles. Donc, Ink, c'est bon pour toi, ma belle, je vais pas t'embêter plus longtemps. Voilà, donc ça en est terminé pour ces 4 terrariums-là, donc on va passer à la batterie d'à côté. Voilà, donc ça, c'est mon autre batterie de terrarium, et Kaseki tout en haut. Hop là, voilà à quoi ressemble son terrarium. D'ailleurs, je vais faire une vidéo aussi sur vos terrariums. Et puis, donc, du coup, en même temps, là, je vous montre les miens. Alors, ça va être peut-être celle-ci. Voilà. Voilà le gros. Il est juste ici. Voilà le beau Kaseki qui m'a fait de superbes petits cette année. Donc, j'espère que l'année prochaine, ce sera encore mieux. Aussi bien, en tout cas. Allez, c'est parti pour le gros. Alors, lui, normalement, il devrait avoir un poids assez conséquent aussi. Et c'est un beau 94-95 grammes pour le pépère. Il est bien, il est vraiment bien là, il est dans une bonne forme. Là franchement, il n'y a rien à dire. Donc d'ailleurs pour la fréquence de nourrissage que je donne, donc pour mes adultes comme ça, je leur donne environ une grosse blatte dubia, une dubia adulte. Une fois tous les 2-3 jours, voilà, et ça suffit à avoir une bonne forme générale. Après, tout dépend de votre gecko, hein. Adaptez-vous à votre animal aussi. Où tu vas comme ça? Regardez, regardez-le où il va se planquer. Non mais sérieusement, derrière la racine là-bas, c'est incroyable. Donc là, on est chez Kumal, donc logiquement, lui, il devrait être dans cette cachette. Et yes! Ah! Voilà. Ça, c'est un bon loulou qui se met exactement là où je pensais qu'il était. Voilà, ça, c'est bien. Il est là. Il est souvent dans sa boîte à mu. Il aime bien les coins frais, je crois. Et c'est un 76 grammes pour Monsieur Kumal, qui se porte très bien. Et l'année prochaine, lui, il va être en couple avec Madame Ink pour essayer d'avoir des petits avec des marquages très gras comme lui. Et comme elle, d'ailleurs, aussi, elle a des gros marquages. Mais avoir des petits qui sont maxno, donc qui auront plus de blanc, en fait, qui seront moins jaunes. Alors, il reste maintenant 3 geckos, du coup, Faeris, Onyxia et puis Cal. Donc, on va tout de suite passer à Faeris. Donc ça, je sais que c'est l'un de vos chouchous. Que vous l'aimez vraiment bien, donc j'espère que je vais le choper assez facilement. Est-ce que vous le voyez? Vous voyez son nez qui pointe là? J'ai humidifié les boîtes à mu hier, donc ils en profitent un petit peu tous, je crois qu'ils aiment bien quand c'est frais quand même, vous voyez. Donc c'est quand même intéressant d'avoir une boîte à mu. Je sais qu'il y en a plein qui en mettent pas, mais au final, voilà, ils y vont souvent quand même. Et j'ai des geckos comme Kumal par exemple, qu'on a vu, qui squatte tout le temps cette boîte à mu, donc voilà, c'est bien de leur en proposer aussi, sachant qu'ils se thermorégulent, etc. Donc l'humidité quand même, choisir leur taux d'humidité, c'est quand même pas mal aussi pour eux de voilà, pouvoir leur donner le choix de pouvoir être dans un endroit humide. Ouais, surtout que là, il est assez pâle, donc je pense que la mu va pas tarder. Donc vous voyez, c'est un tremper, donc il est albinos. Et ses yeux sont donc très blancs.
Et il vient de chez mon ami éleveur, très bon éleveur portugais, qui parle très bien anglais, donc il n'y a pas de souci, et qui est très très gentil. Et c'est David Silva, qui est donc du coup l'éleveur de son élevage, qui s'appelle Wabizor Gecko, et qui a des magnifiques spécimens, donc n'hésitez pas à aller voir sa page. Youp! Et c'est un beau 59 grammes pour le loulou. C'est bien, c'est bien. Un petit peu plus, ça peut être pas mal. Donc je vais essayer de lui proposer un petit peu plus régulièrement pour voir. Allez, on va passer au suivant. Et le suivant, c'est un chat. Voilà, je vous présente Aria, que vous avez sûrement déjà vu dans une de mes vidéos d'ailleurs, parce qu'elle aime bien passer devant la caméra et venir squatter un petit peu. Et puis elle adore venir voir avec sa sœur d'ailleurs, les cales quand il est en bas, là, celui qui est tout en bas, et le soir quand il sort, ça elle kiffe, elle va voir, elle est très très intéressée. Mais bref, nous ne sommes pas ici pour parler de toi. Je sais que tu veux qu'on parle de toi, Aria. Non mais ça c'est mon tabouret, c'est mon tabouret. Aria, ne vole pas mon tabouret s'il te plaît. C'est mon tabouret, descends. Descends. Bon, allez c'est parti, on va passer à Onyxia, la magnifique. Elle est juste ici. C'est son coin caca, c'est sale. Faut que je change. Je l'ai dérangée, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Putain, c'est trop, elle est trop belle. Je suis trop contente de l'avoir. Et c'est un 77 grammes pour la madame, qui est bien portante aussi. Vous voyez cette magnifique réserve. Et regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Elle sera maman l'année prochaine. Couple de Trumper Tangerine, à mon avis, ça va faire de très très beaux petits. Voilà son terrarium. En général, lui, il va être dans ce tronc de liège. Et ça, ils adorent le liège. Le voilà. Il est tout beau. Il est magnifique. Et il est dans ce tronc que je vais devoir. Et je vais devoir le sortir de là. Donc, on se revoit tout de suite après. Et voilà. Et c'est parti pour la pesée du dernier loulou, qui est magnifique et qui est encore jeune pour la reproduction. 52 grammes, c'est un très bon poids pour son âge, parce qu'il est encore jeune et il n'a pas encore un an, donc il n'est pas encore à sa taille adulte là. Et il promet déjà, regardez-moi ce masque, regardez-moi ce masque, il est magnifique. Franchement, je ne regrette pas du tout de l'avoir, celui-ci. Et lui, du coup, ses premiers bébés seront pour 2021. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ou un dislike si vous n'avez pas aimé. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine dans une autre vidéo. Salut !